Excusez-moi. Excusez-moi, madame la magicienne. Excusez-moi, excusez-moi de... C'est à quel sujet? C'est au sujet de ma femme. Oui. Il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de la scier. Exact. Monsieur, attend quelque chose? Non, mais ma femme. Oui. Elle est coupée en deux. Ça, vous l'avez déjà dit. Quand avez-vous l'intention de la recoller? Pardon? Je veux dire, quand recollez-vous les deux morceaux de ma femme? Je ne recolle rien du tout, monsieur. Vous me prenez pour un menuisier. Pardon. Nous avons fait le choix de monter Que d'espoir avec un point d'exclamation. Ce qui m'a intéressé dans ce recueil de sketch, c'est la forme cabaret qui est proposée. Alors c'est un recueil composé d'une 20aine de sketchs. J'en ai choisi 12. J'ai sélectionné aussi 8 chansons pour être sur un format d'1h30. Et donc toujours avec des sketchs très percutants, une écriture très drôle, mais aussi très grinçante. Vous allez immédiatement recoller ma femme? Premièrement, vous ne me criez pas dessus, parce que si vous m'énervez, moi, je peux vous transformer en lapin. Le travail que je mène au sein du Théâtre des Lumières est un travail pluridisciplinaire où se mélangent le théâtre, la danse, la musique, la chanson. Et la forme que nous proposait l'écriture d'Anouk Levin collait parfaitement à ce travail. Voilà, donc du coup, je suis allée vraiment à fond dans la forme cabaret-théâtre, avec même tous les clichés du cabaret, hein, les hauts de forme, les chapeaux melons, les chants, les danses, l'énergie, la pétillance et le rythme, endiablé. Deuxièmement, en ce qui concerne votre femme, si elle est vraiment en deux morceaux, eh bien, à l'évidence, elle est morte. Morte? Elle a été sciée en deux, non? Mais vous êtes magicienne! Et alors? Mais scier ma femme en deux, ça moi aussi je peux le faire! Inutile! Je l'ai déjà fait! Alors Anouk Levin est un auteur phare de l'écriture contemporaine. Il est né en 1943, a rapidement dans les années 70 écrit beaucoup de sketchs pour le cabaret. Il a beaucoup dénoncé à travers ses sketchs toute la vie politique et son inquiétude, puisqu'il est né en Israël, vis-à-vis de l'occupation des territoires. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il a eu un parcours artistique parfois un peu controversé. Et puis très vite, il a été reconnu comme un auteur très très important. Et on a la chance d'avoir une traductrice qui s'appelle Laurence Androvitch, qui l'a connue en Israël, qui a traduit toute son œuvre. Il a écrit à peu près 50aine de pièces de théâtre, de sketchs pour le cabaret, de chansons. Vous entendez vos voisins s'engueuler? Les escaliers sont dégueulasses? La compagnie d'électricité a causé un dégât des eaux? Votre enfant fait une crise d'appendicite et votre femme s'est tirée avec l'épicier. Alors vous rentrez dans votre appartement. Vous vous préparez une tasse de café. Vous vous asseyez pour la boire. Et là, calmement, vous vous attrapez la tête et vous vous l'explosez contre la table. Ah bon? Et c'est à ça que ça ressemble la paix? Mais ce n'est qu'un début! Il y a les comédiens qu'on retrouve régulièrement au Théâtre des Lumières qui sont Yannick Fichan et Laurence Niedziewski. On retrouve des musiciens avec qui nous avons déjà travaillé régulièrement qui sont Gilles Cusac et Brice Martin qui ont composé les musiques du spectacle. C'est pourquoi est-ce que tu n'essuies jamais le sol de la salle de bain après t'être douché? Rien que ça, tu vois. Ça me met les nerfs en boule, ça m'horripile. À cause de toi, tout mon visage s'est ridé. Enfin, Dieu qui voit tout, note tout. Tu peux en être sûr. Je tiens à préciser que ma femme n'est pas méchante. Mais si elle a décidé d'en finir avec un cafard, ce cafard ne finira pas la journée. Et la forme cabaret m'a beaucoup intéressée. Donc il y a eu d'abord un vrai travail de compréhension de l'écriture et ensuite essayer aussi de ne pas être vraiment dans du pathos quand il y a des scènes qui sont parfois très, très douloureuses où il parle beaucoup de la guerre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre un contre-pied. C'est souvent avec le rire qu'on fait passer beaucoup de choses. Le rire est un exutoire et c'est cet angle de vue que j'ai pris.